Putain, c'est close, hein. Y a du monde close. Tu peux m'engager ? Whiskey 1-2, alignement piste 25 pour décollage, mission cap en direction du nord. Je t'aligne. Et elle sortit. Très bien. Flap sortie, confirmé, pareil au décollage, c'est bon pour toi, mais c'est bon pour moi. C'est bon. Let's go. Un atterrissage. Annonce qu'en check. Ça rentre tranquillement. J'en vois qu'un pour le moment. J'ai un deuxième contact, mais je sais pas si. Distance. 24 nautiques. Fox 3. Je garde en visuel le deuxième, je passe en ACM si c'est le même. Tu dis-moi quand ils sont à 15 nautiques. C'est peut-être des SU-24, non, 23. Ouais, j'ai du Next 23, mais je sais pas si c'est où ou si c'est les mecs qui nous arrivent tout au fond, regarde. C'est peut-être du bombardier, là. Ok, le Fox 3 arrive tranquille. Il va toucher sa cible dans quelques secondes. Possible qu'il y ait un deuxième, hein. Il y en a un deuxième, sûr. J'ai italique. 15 nautiques, 13 nautiques, mec, 13 nautiques. Je les vois, mais ils sont pas dangereux. 24 000 pieds. Le Phoenix qui touche pas. Alors, si, Splash One. Okay, nice. Tu veux je passe en ACM. 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 10 nautiques, haute. Pour c'est Bandit ça 24 000 pieds, 24 000 pieds. Bandit. Oui. Close. Je le vois pas, je vois pas ce que ça alloque. Close, close, close. À gauche droit, ou droit devant? Droit devant, droit devant, droit devant. 24 000 pieds, 24 000 pieds. Ok, Fox 3. Gauche. T'as rien qui lock, hein. Ah oui, t'es d'accord, on est d'accord. Oui, t'es en ACM, tu m'as annoncé que t'étais en ACM. Voilà, c'est lui. Valide. Je le fais en Foxou. Ouais, c'est bon. Foxou. Ouais, il monte gauche, il flaire. Bah, il bat alors, c'est on engage, on a deux bandits à 26 nautiques de. C'est les 9M, je suis plutôt. 32 000 pieds. 25 nautiques. Ouais, moins. Tu n'es quand c'est bon. 25 nautiques, c'est ok. Fox 3. Fox 3. Et deuxième Fox 3. Ouais, stand-by pour le troisième. Tu peux mettre un scope plus rapproché s'il te plaît. Oui, s'il y a moyen. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme ça je peux vérifier. DG virage droit. Hein. Ah, ça défend, je les vois défendre. Il y en a un qui défend, il y en a un qui défend pas. One, deux Fox 3. On est bon, on est bon. Il y le un premier Fox. Qui vient d'arriver là, par contre. Ah, il y a déjà un splash. Il y a déjà un splash. Le Phoenix du bas était. Ouais, ouais. Bon, okay. il va splash le truc. Les deux vont bien, les deux vont bien, il n'y aura pas de TK. Il y en a un qui va sur un splash et l'autre qui va sur l'autre bandit. J'ai quand même un contact qui est à ma droite là. Ah ouais, je l'ai celui à droite, c'est celui qu'on a. Celui qui plonge là, tu vois. Ah, celui qui plonge, il est splash. Ok, deuxième splash. Nice. Celui qui plonge est splash aussi. Le Phoenix est loin d'être un missile d'entraînement. Tu peux aller à plat, parfait. On va STT. Ok. 45 nautiques, 26 000 pieds. Alors, je pense que c'est. Je mets la PC. Lock. Confirmé. 25 nautiques, tu me dis. Normalement, je vois la barre. Est-ce qu'il y a moins on engage hostile pour 30 000 pieds, un Fox 3 et puis on dégage en défense. Ouais, spike. On est lock 29. Enfin, spike 29 plutôt. 30 nautiques. Normalement, on a la range avant lui. Hein. Ah, 29, quoique, ouais. Le Tomcat annonce 29 alors que ça peut être du Sukhoi. Hein. Fox 3. Allez, Fox 3. Parce qu'il y a moins de Fox 3. Tu me dis 15 secondes avant impact, je me tire. Ouais, copie. Ah, quoi que je vais me tirer maintenant, je pense. Hein. Ouais, je me tire maintenant. C'est rien. Il y a un tour de qui fait des scènes. Tu
peux me guider vers les alliés ou un RTB? Bah, tu prends enfin, un RTB et un 181, Colt prends un plutôt. cap 129, 120, unité 20. Unité 20, bien. La WA fait des CN donc tu peux m'informer au fur et à mesure. What? 29 à 11h. 11h ouais. Ouais, gauche, 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 fer. J'ai pas vu lui. Donc je vais gérer les fers, les chefs. Ah, on a perdu la com Stannis. C'est bon, on a évité le Foxhound. Par contre, on est entre deux bandits. Tu peux faire un 360 en 40 nautiques, s'il te plaît. Il verra pour rien, le radar. Tiens, en radar, ça pas l'info. Non, mais je veux dire, comme ça, dès qu'on récupère, on ah, oui, oui, bien sûr, bien sûr. 360 pour 20 nautiques plutôt. 360 360 degrés pour 20 nautiques. Ok, je vois les names. J'essaie de me tirer. Oh, c'est le bordel. Et là, informe-moi visuel. Là, t'es call par rapport aux ennemis. Ouais, mais j'ai des nails, regarde, sur les 11. Sur les midi maintenant? Non, 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 il faut le temps qu'ils se refresh. Là, selon moi, tu es face à un allié tranquille. Les deux alliés au-dessus, là, on les a. Non, j'ai deux bandits à gauche, à 1h. À 11h plutôt. Et j'ai deux alliés au-dessus de moi, ok. C'est absolument pas ce que je vois. Ok, bah, mais bah, je fais confiance, on y va. Effectivement, les deux alliés sont au-dessus, en country-l, on les voit. Ouais, donc fais-moi confiance. Là, on part sur RTB ou. Ouais, RTB. Par contre, faut que je monte au-dessus des 13 000 pieds parce que là, ça manne pas de mort. On est en fuel 6008, attention pour la poste. Tiens, les 8 degrés d'inclinaison. La OA est bon. Vecteur vitesse est plutôt bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? La vitesse 122. On a de quoi, qu'est-ce que c'est ? À gauche, 11h, surveille. Je pense que c'est le S3B. Non, c'est moi, il passe au-dessus. Regarde, à tes midi. Midi nord. J'ai pas visu. J'ai pas de visu, je suis avec la. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. J'espère qu'il va pas se planter à la fin, par contre. Mais c'est bien, CLS remarche en scratch. Merci pour le follow. Bienvenue à toi, bienvenue à Team 8. Tu arrives pour l'appontage du F-14. On est en train de retester l'atterrissage automatique. J'ai peur. C'est un peu long, non? Gaz, 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 gaz. Parce qu'il m'a okay. Un wave off, on refait demi-tour et on prépare pour une phase finale. Bon, oh honnêtement, c'était pas loin. C'était pas loin, mais qu'est-ce qui. Mais tu sais que la dernière fois il avait fait ça aussi, non? Si j'ai pas de c'est bêtises. Possible, hein, mais après. Tout... j'ai serré les fesses. Ah ouais, mais mec, j'ai serré les fesses aussi, hein, parce que là c'était chaud, hein. Deuxième tentative. Okay. Tu l'as fait en assez ou pas? Non, manuel là. Whisky 1-1, non, parce que... accroché, on roule. Ça va de bon là. Ok, là t'as pris, nickel. On est bon? On est bon, elle sortie, flaps ok. Whisky 1-1, take off, break, fuel. C'est parti. Canopy, sit, stab, trim, wings, flaps, contrôle. Ouais, pareil. Ouais, et harness. On est bon. Et c'est parti. Oh, la lumière rouge du F-14, incroyable. On va le faire en F-3, tiens. Pardon. Alors par contre, il faut vraiment que tu remontes ta crosse. Hein. Quand tu es accroché, quand t'es accroché, tu remontes ta crosse. N'hésite pas. Allez, Choupinet.
C'est un 21 qui nous arrive dessus. Ouais, je parle, ok. Ok, c'est lui. Bon, tu l'as ? Ouais, je l'ai. Ouais. Tu as perdu. Putain ! Il est flanking droite, d'après la caméra. Non, c'est ça le problème. Il plonge. Yo. Il plonge, il plonge. Là, c'est bon ? Attends. Je le perds trop. Ouais, je le vois toujours à la cam. Attends, bouge pas. Je vais laisser en TWS. Je vois ce que ça dit, ok, il va prendre. Je peux passer en ST1. TWS, ok. Ok, Fox 3. Un peu loin, mais on verra. Virage droite. 30 nautiques, flanking droit. Là. Puis d'info sur la cam. Flanking droite toujours. Ça plonge, ça va passer dans la montagne. Non, ça passe devant la montagne. Après là, est-ce que je peux le prendre en STT ou je dois attendre la fin du TWS? Bah normalement repasser en STT ça te sert à rien parce que TWS tu as le lock et en plus il n'y a pas l'alerte. Donc là tu repasses en STT pour avoir le lock. Hein. Mais là par contre j'ai l'impression, donc là j'ai la croix avec le timer, d'accord. Combien de secondes? Que ce qui m'ennuie c'est que j'ai pas la... Alors ça défend de fou. Combien de secondes? 63 secondes. Par okay, contre c'est j'ai bon. Un signal. Je passe en ACM. Ok, copie, je vais te donner les infos. Ah putain, je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est full en visuel. Hein. 5000 pieds, 5000 pieds, midi. Hot. Pour 11000 pieds, je suis prêt à chaff. Le flair, pardon. Il me le trouve pas. Pourtant, je l'ai devant moi, il me le trouve pas. Qu'est-ce qui se passe? 15 nautiques, bas, bas, hot. 5600 pieds. Je l'ai. Nice. Fox 3. Confirmé, ouais. Fox 3 parti. En fait, c'est 15 nautiques max. Flanking droit. Non, ça c'est bug. T'en occupe pas. Tire de Sam, mais je pense que c'est un. Ouais, c'est une défense. Ouais, pas mal. Il plonge vers toujours flanking droit le bandit. Il pour 2000 pieds. Splash. Good job. Pour le moment, j'ai un deuxième contact, mais je sais pas si. Distance 24 nautiques. Fox 3. Je garde en visuel le deuxième, je passe en ACM si c'est le même. Oui. Tu dis-moi quand ils sont à 15 nautiques. C'est peut-être des SU-24. Non, 23. Ouais, j'ai du Nexus 23, mais je sais pas si c'est eux ou si c'est les mecs qui nous arrivent tout au fond. Regarde. C'est peut-être du bombardier là. Ok, le Fox 3 arrive tranquille. Il va toucher sa cible dans quelques secondes. Possible qu'il y ait un deuxième. Hein. Il y en a un deuxième, sûr. J'ai Italie. 15 nautiques, 13 nautiques, mec. 13 nautiques. Je les vois, mais ils sont pas dangereux. 24 000 pieds. Le Phoenix qui touche pas. Alors, si, Splash One. Okay, nice. Tu veux je passe en ACM. ACM. 10 nautiques, haute. C'est bandit ça? 24 000 pieds. Bandit? Oui. Close. Je vois pas ce que ça a lock. Close. À gauche? Droite ou droit devant? Droit devant. 24 000 pieds. Ok, Fox 3. Fucking gauche. T'as rien qui lock. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, t'es en ACM, tu m'as annoncé que t'étais en ACM. Voilà, c'est lui. Valide. Je le fais en Fox 2. Ouais, c'est bon. Faxou. Ouais, il monte gauche, il flaire. Ouais, c'est bombardier. T'as visuel sur mon Faxou ou pas? Non, j'ai splash. Splash. Good job. Ok, c'est pour ça en fait, parce que je pensais que tu me disais que j'étais locké et j'avais pas de lock sur mon HUD. Ah non. Non, j'avais demandé le. Tu lockais pas donc j'étais un peu. C'est quoi ça derrière nous? F5? Close? Merge? Besoin de savoir si c'est un ennemi ou pas? En dessous de nous? Est-ce qu'il y a moins de one, y'a quelqu'un qui est merge allié ou pas? Visuel. Je vais ACM. ACM, j'interroge l'FF, ne tire pas. C'est possible que ça soit allié. ACM, c'est bon, je l'ai. Allié. Ok. Il est passé en dessous de nous, mec. F5 en plus, généralement c'est ennemi. Ok, bah tu peux me. C'est des locks, hein. Repasse sur ton. Hello Big Mouse. Ouais, ça fait longtemps Big Mouse, comment ça va?
Ça va. 12 000 dans c'est close, hein. Okay. 328 pour 23. 328, prends le cap. Je check. Il m'a fait peur, bon, mec. Un... Ok, visuel. Deux bandits à tes 5 heures. Deux bandits à tes 5 heures, je te donne leur cap, ils sont close. Hein. Donc ça va être du TWS très rapide. 20 000 pieds. What? Deux Fox 2, hein. Deux Fox 2, un Fox 2. Deux Fox 1, deux Fox 3, un Fox 2. Encore, continue, continue. Cap 3, 3, 0. Vas-y, encore, encore, je te dis, elle a plat. Elle a plat. Ah bah, je vais choper vite alors parce que là c'est, ouais, c'est close. Ça va être chaud. J'ai un, j'en ai un des deux, j'en ai un des deux, c'est plus éloigné, je suis désolé. Ok. L'autre, tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas, tu peux passer en SM. Nautiques pour 14 000 pieds. Pike, 23. C'est lui ou pas? Affi, Affi, Affi. Fox 3. Affirme. Tu flaires s'il te plaît. Port en défense. Visuel, il est à T9. Splash 1. Nice, good job. Encore un deuxième, il me faut l'info. J'ai trop de nails, je peux pas savoir d'où ça vient. Pour le moment, RS, pour ma part, je vois rien. 282 pour 7. Derrière nous, ça. Je recommit. Visuel. Où? À tes midi. Tech, hein, quand même, c'est peut-être un allié. Hein. Il est poursuivi, l'allié est poursuivi à gauche, 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 départ missile d'ailleurs. Ne shoot pas direct, hein, je dois IFF. Hein. On est close, il est close, il émerge avec un allié. C'est quoi ça? Allié, allié, allié. Il est, allié il était léger... Oui, allié. Ennemi. Ennemi? Ennemi, confirmé. Ouais, ah, c'est à moitié splash. On termine le gun. Et... Ça s'est éjecté. Alors par contre, French, dans ces cas... sans pied. Nice mec. 3-1-1 touchdown, on dégage la piste sur la gauche, on rappelle qu'un piste dégagé. Ça m'a manqué de faire du Rio. C'est trop cool. Laisse guider. Donc dégagement sur la gauche, hein, French. Je fasse la trim la prochaine. Allez, c'est parti.
on maintient les freins, on lance le Tomb F-14, t'attends 3 secondes si tu veux bien, comme ça on est sûr de pas avoir de problème, parce que je connais pas ton avion. Assez jeune. Ouais, assez jeune. Hein. Bon, je prends un peu plus d'espace à droite, hein, vu qu'il n'est pas sur nous. C'est très bien. Ben, garde le cap, hein, on va se mettre droit pendant un instant, le temps qu'il nous rattrape. Whiskey 1-1 Airborne, je bascule sur la 2-5 unité. Des moteurs Radio plus Check, puissant. Il n'y a personne sur la 1-2-5. Oh, on a un beau virage là en fait, hein, t'as vu hein. Ouais, on va peut-être passer peut-être un peu... Ah non, même pas, on passe même pas au-dessus de la piste, même pas dans l'axe. Il y a un mec qui s'appelle Chèvre. Chèvre? Chèvre 1-1? Je sais pas. Alors, ok. Chèvre 1-1. Il était de fermier, hein. Oh là là, il est close, hein. C'est moi ou l'aile, elle est... Il y a l'ombre de notre avion, c'est le bateau. What the fuck? Il faut pas abîmer mon bâtiment, hein. Le pauvre... Je sais même pas, je crois qu'on est un virage... Nous sommes impressionnés, mais attention à pas abîmer le non-avion. Le navion. J'aime bien son bidon. C'est un bidon qu'il a au central. Là. Le pauvre. Quoi? Oui, non, bon, c'est bon. Il a pris un peu de marge. Oh putain. 25 nautiques, je peux Fox pour en traiter. Je prends de la vitesse. Moi non, mais Angel 20. On va engager, il y a sur les trois bandits, il y en a un qui est à droite à 5000 pieds. 5000 pieds. On engage J'ai passé de vitesse. Ok, STP. Fox 3. Fox 3. Le call du STD, c'est pas la peine. Hein. D'un collègue. De quoi? Le call STT en escadrille, c'est pas la peine, hein, parce que ça se trouve, ils ont d'autres bots et ils vont pas comprendre ce que c'est STT, tu vois. C'est possible que chaque avion soit un peu particulier. Je passe en cam pour voir ce qu'il fait. What? Je suis passé en cam. Ok, flanking droit, c'est bas. Ça met la full PC, hein, ça carbure. Ça carbure, ça carbure. Il y a un collègue qui est à côté de notre cible, est-ce que quelqu'un peut le prendre? Il y en a deux même, hein. On a des buddies. Je vois pas le 3. Ah si, 3, je le vois. Ok, j'ai plus d'infocam, je vois que dalle. Info sur le time to target? C'est pas, ça va pas tarder. Flash. Confirmé. Flash. Je peux y aller? Ouais, go. Go, Sam. Lock. Check. C'est bon. Post stream. Fox 3. T'as lancé là? Ouais. J'ai pas de par gauche. Ok, il monte. Monte, flanking gauche. J'ai toujours Tali. Ça va y aller, je pense. Le bandit gauche, il est actuellement à flanking gauche pour 30 000 pieds. Oh, il esquive bien. Il esquive bien, salaud. Ouais, splash, good job. Splash one. Ok, je récupère l'autre. Il est sur... On est en support sur celui de gauche. En plus, on va être call, donc ça sert pas grand chose. Spike 18, belly spike annonce. Belly spike 18. Je l'ai, hein. C'est bien lui, hein, tout lock. On va être proche, on va devoir tirer, hein. Il est cold ou il est hot, là? Il est hot, hein? Cold. Ah, je sais pas, il est cold? Ah, cold. Hot. Ok, Fox 3, je me tire. Fox 3 et on se casse, désolé, on est cold. Ah merde, non, il est cold. Il est reparti cold. Quand je l'ai vu clairement hot, hein. Ouais, non, mais il a fait tourner en gauche et il a refait tourner en droite. Ah, il est reparti direct. Ok. On part en défense. Point visuel, s'il y a un tir missile. Penche un peu à gauche, je peux pas voir ça.